mais bon, c'était pas tout simple non plus. Hein. Il s'est fait attaquer deux, trois fois. Et lui, on le connaît, il est capable de faire l'irréparable en deux coups les gros. Donc il faut faire attention tout le temps. Tout le temps que le poteau n'est pas passé avec lui, on retient son souffle. Quoi. On continue le circuit européen. Ouais, on va continuer. On va voir, on va peut-être aller en Suisse parce que bon, c'est vrai que quand les meilleurs en course, il est un petit peu barré par 4-5 chevaux. Là, il se retrouve dans des courses un peu plus faciles, il va reprendre le moral, c'est bien, c'est une bonne audience. Allez, papa! Bien! Putain, il démarre! Hein. Comme un V6. Ah, c'est un fumier, hein! Putain, tout pendant que le poteau était pas passé, j'ai dit oh putain! Qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais bon, je préfère avoir le dos que dans mon dos, genre, que d'avoir le temps. Ah, bah ouais, c'est bien. Bravo! Et nous espérons vous voir prochainement dans cette race. Vous faites une grande race. Vous faites une photo avec le cheval. Oui, ça a été. Ça a été facile. J'ai pris la tête. Après j'étais facile tout le temps, je voulais pas laisser passer Dominique, je préfère avoir la corde quand même. Et puis bah, il a gagné facilement, hein, donc c'est un bon cheval. En plus l'autre jour on l'avait bien ouvert à Anguin, le cheval était vraiment bien. Les voyages forment la jeunesse, tu dois être bien formé. Ah ouais, non, ça va, tout va bien en ce moment. On est bien en Hollande, on a champagne, on était bien reçus. Maintenant on va faire la photo avec le cheval. Poi viene la giuria, la Fabrizio, sulla Defrena, con il chilometro di Gerard, di Ritting. Fabrizio, sarei dus, che sono tanti stati, ma di Frankreich. Roberto, deuxième avec Roxana. Oui, je pense que c'est très bien. Malheureusement, la jument n'est pas trop bien partie. C'est un petit peu enveloppé et à la suite, est obligé de faire les tours de la favorite, de la gagnante. Et sur ces pistes-là, c'est pas évident, fait deux tours à l'extérieur. Battue normalement, mais elle court bien. Plus je pense qu'il lui manquait encore en course. Il a fait deux courses de rentrée, mais des fausses courses, il n'était pas prêt au 100%, je pense. Et Kéléa ? Qu'il arrive, il a pas mis le déferrage. Oui, qu'il était très bien, mais en course, il trottait pas. La suite de leur programme respectif ? Je pense qu'il ira continuer le tour européen. La prochaine étape, c'est la Suisse. Handicap avec Roxana de partir derrière parce que le plus riche dans ce cas-là il part en deuxième ligne, mais bon, on y va quand même, tous les plus riches sont derrière, alors ça change rien. Et qu'il a ? Qu'il arrive, on va voir comment il récupère, on va voir ses pieds, si les pâteaux se font de ce côté-là, et on prendra une décision dans quelques jours. Nico, troisième, ça s'est joué un peu pour la deuxième place ? Oui, c'est serré pour la deuxième place. Parce que le premier 500 mètres, ce n'est pas un bon parcours. C'est le troisième pêcheur. Après, c'est un bon parcours. C'est bien. Bien, ouais. En fin de compte, avec le 7, on est mieux. Hein. J'avais bien raconté une connerie tout à l'heure. Je m'en doutais un petit peu quand je l'avais dit. Quand je l'ai dit, je suis sûr que je raconte une connerie. Mais non, le cheval, il court pas trop mal. On n'a pas eu un. C'est mieux, mais bon, il fallait pas s'attendre à mieux avec le 1. Si je reste à la corde. Quand Josy fait la faute, j'aurais pu me retrouver dans le dock noir. Mais est-ce que ça change le résultat pour ça ? C'est pas mal. 4, c'est bien. Tu continues le tournoi ? Oh bah oui, bien sûr. Je suis fidèle depuis longtemps au tournoi, donc on va continuer la fidélité. T'es pas déçu là ? Non, pas déçu. Le cheval n'a pas le niveau, donc on a essayé, mais ça ne suffira pas. Il n'a pas le niveau pour ce genre de compétition, on est venu, on n'a pas vaincu. Alex, qu'est-ce qui s'est passé avec Fidèle Loulou, on l'a vu au galop? Je progressais derrière Roxane Barbouet, il n'a pas pris le virage, le troisième virage. Après pas terrible. Le cheval n'est pas comme je voudrais, il pousse à gauche, il pousse à droite. On travaille calmement pour ses jambes, mais si on n'arrête pas à travailler plus dur, on va avoir du mal à regagner des courses.
Bon, c'était pas si ridicule que ça finalement. Bah non. Mais bon, Limard, tout le monde le laisse faire. Ils ont de la chance de ne pas attaquer. Parce que j'étais à fond sinon. Ah non, bah bien. Pour Mallorca, ça va aller l'année prochaine. On va leur en piquer une PMU. Voilà.